Cette idée de torréfier sur place, pour moi c'était une évidence parce que ce qui m'intéresse, c'est de maîtriser le plus possible toute la ligne du café. Après, c'est sûr que ça implique pas mal de difficultés, mais je pense que ça crée une caractéristique, une ambiance qui est bien particulière. Alors, ma formation initiale et mon métier initial, c'est donc la science, la physique. Donc l'enseignement, la recherche, c'est sûr, la démarche scientifique m'a aidé dans le sens où il y a pas mal de paramètres à gérer. Et si on n'est pas un peu rigoureux dans la gestion de ces paramètres, c'est sûr que c'est plus compliqué. Surtout d'apprendre rapidement, ça m'a aidé dans l'apprentissage. Surtout. Le logo provient tout simplement d'un grain de café qui entoure le nom Boon. Et Boon, ça veut dire café en éthiopien, qui est le pays d'origine du café. L'homme aurait découvert les vertus du café par le biais d'une brebis qui, en broutant un caféier, en fait, aurait été très vicace, très énervé, très physique, génial. Et donc l'homme a dit, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait cette brebis? Elle a mangé un caféier, donc l'homme a découvert les vertus du café comme ça. En fait, on a toujours voulu faire quelque chose ensemble. On est passé par plein de projets avec mon épouse, ça allait dans tous les sens. Mais vraiment, quand on était en Nouvelle-Zélande, on est tombé amoureux des coffee shops, du lieu, du café. Moi, je suis fan de café, j'adore le bon café, mais surtout le lieu, l'ambiance, l'échange, les grandes tables communes, etc. Dans les pays scandinaves, essentiellement, un nook, c'est un petit coin cosy où on vient se poser pour bouquiner, discuter, et c'est souvent près d'une fenêtre. C'est pour ça que nous, on a fait un nook près d'une fenêtre, un petit coin cosy avec plein de bouquins. Nous, quand on a décidé d'ouvrir le coffee shop, on n'était pas du tout expert du café, comme d'autres peuvent l'être. Donc on s'est rapproché de Coutume, qui est notre fournisseur à Paris, qui a été le meilleur torréfacteur de France. Nous, on voulait vraiment fournir une super qualité de produit, donc on est passé par eux, qui nous semblaient être les meilleurs. Ils nous ont formés sur l'utilisation de la machine, sur la sensibilité du café, comment faire un bon café, comment faire un bon lait, du latte, etc. Pourquoi Montpellier? Parce qu'on habitait à Montpellier, tout simplement. Et c'est une ville qui nous a vachement plu, le centre piéton, historique, plein de vieilles pierres, super sympa, les gens très agréables, et donc on a commencé à chercher là-dedans. Au départ, avec ma femme, on a habité en Angleterre. Et moi, j'étais issu de la restauration, donc c'est vrai qu'en ayant passé un peu plus d'un an à Londres, on a découvert des coffee shops, Starbucks, Costa, Amora Café. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas tenter notre chance à Montpellier, par exemple. Par l'expérience de Starbucks que j'avais en tant que manager et la restauration rapide, je me suis dit, pourquoi pas faire un mélange des deux avec un coffee shop assez raffiné, plus une petite restauration fraîche à la française. On a eu la chance de trouver un immeuble complet, donc on a pu faire notre laboratoire de cuisine pour fournir tous nos magasins et surtout faire un établissement chaleureux au milieu de la pierre, dans l'ancien, avec de l'espace pour pouvoir recevoir les gens assis, ce qui est quand même assez rare en coffee shop. Pour le logo, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait un concours, on a reçu une centaine de logos, et après il y a eu un vote, il y en a trois qui sont apparus en tête, et du coup on a choisi celui qu'on préférait des trois. Pour le nom, en fait, très rapidement, on avait mis Home Sweet Home, dans ce style-là, un peu à l'anglo-saxonne. Et c'est vrai que Home Café était sympa, mais on se dit que Home Coffee aurait une consonance plus mondiale, on va dire, ne serait-ce que pour les touristes qui viennent à Montpellier. Donc voilà, on est parti sur Home Coffee. J'étais commercial ici en France, et je suis rentré en Angleterre pour visiter ma famille. Et il y a une nouvelle tendance qui a commencé, il y avait des petits cafés partout qui proposaient du très très bon café, très très bonne qualité, des endroits un peu différents des chaînes que vous trouvez partout. Et voilà, c'est une idée que j'ai trouvée géniale et j'ai pensé essayer d'implanter à Montpellier où ça manquait.
Je voulais créer un endroit petit. Les clients sont un petit peu obligés de s'asseoir côté à côté. Il y a plein de gens qui ont fait des amis au café en discutant avec leurs voisins. Ça me permet facilement de parler avec tout le monde, de prendre des commandes. Ça donne toujours l'impression de l'extérieur qu'il y a du monde et qu'il y a une bonne ambiance. Et c'est souvent le cas. Pour me fournir un café, je travaille avec un petit torréfacteur dans le Gard. Elle a toujours 7 ou 8 cafés différents. On le goûte ensemble. Elle me donne des conseils sur ce qui marcherait bien avec la machine que j'ai. Et puis on choisit des grains et puis on les change tous les 2-3 mois. Un endroit parfait pour boire le café, c'est une carte qui est simple. Le café, que ça soit bien moulu, bien dosé et que le lait soit bien chauffé. Et après de le modifier petit à petit pour créer des boissons différentes, mais de ne pas trop rajouter d'autres produits. Comme ça, on a le meilleur du café. Et c'était important de me différencier des autres et pour attirer une clientèle étrangère qui est importante à Montpellier. La concurrence à Montpellier, elle est super développée, c'est assez marrant. Donc nous, on s'était positionné sur Montpellier, comme je disais, parce qu'on habitait à Montpellier. Et il se trouve que Montpellier, c'est une des villes les mieux fournies en coffee shop de bonne qualité. Donc moi, je trouve personnellement que la concurrence, c'est super positif, parce que ça fait découvrir le café à plein de gens, parce qu'on est là pour travailler aussi ensemble. Donc les gens viennent prendre des idées chez nous, on va en prendre ailleurs. Et au final, l'expérience globale augmente, on augmente en qualité. Ça nous pousse à nous battre parce que tiens, on sait que Luc a un super bon café, donc nous il faut qu'on fasse aussi du super bon café, et puis etc etc, et donc la qualité globale monte. Et donc personnellement, je trouve que la concurrence est super, et je regrette juste un truc, c'est de ne pas avoir plus de temps pour passer à droite à gauche et voir justement les uns les autres ce qu'ils proposent. Alors la concurrence à Montpellier, elle est relativement jeune, comme le café Boone. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même compliqué d'avoir ne serait-ce qu'un bon cappuccino à Montpellier, sans rentrer dans le côté puriste de l'espresso. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré depuis pas très longtemps. Et je pense qu'il y a des bons coffee shops et la concurrence à Montpellier est plutôt bonne et saine. Quand j'ai ouvert le coffee club, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Dans cette rue, il y avait un torréfacteur, il y avait un Home Coffee, c'est le Grand Jean Moulin. Je trouve que s'il y a plus d'endroits qui proposent le même type de café, ça va faire du bien pour éduquer un peu les Français sur les nouvelles tendances. Alors nous, on a trouvé ça... C'est vrai que depuis 2 ans, il y a pas mal de coffee shops qui essaient de s'installer. Donc en fait, c'est super en plus, parce que nous, ça nous permet de nous développer encore plus, malgré tout. Ça, c'est génial. Parce que mine de rien, les gens ont appris ce qu'était le coffee shop, parce que c'est vrai qu'il n'y avait que Starbucks, mais qui arrivait en 2003 en France, donc c'est quand même assez récent. Et du coup, les gens ont découvert le coffee shop, ils sont venus chez nous, après ils ont voulu comparer. Maintenant, c'est super parce que nous, on fait que progresser. Les Français n'ont pas encore totalement la culture du café, du bon café. Ils ont l'habitude de boire un café très chaud, et très amer, très allongé, vraiment pas bon. Mais quand on les habitue, quand on leur fait goûter un vrai bon café, qu'on leur explique, qu'on prend le temps de leur expliquer, et ben finalement, ils comprennent ce que c'est le café. Et ils reviennent parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais bu chez eux, qu'ils n'ont pas l'habitude de boire, finalement qu'ils trouvent très très bon et ils ont envie d'en découvrir plus. Alors les Français, en règle générale, je pense qu'ils n'ont pas la culture du café au point de vue gustatif, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est un bon café, que ce soit un bon café espresso ou un bon café filtre, piston, etc. Mais par contre, ils ont la culture du moment café. C'est-à-dire que quand on va chez quelqu'un, généralement quand on n'offre pas un apéritif, on offre un café. Donc je pense qu'ils ont la culture du moment café, ils n'ont pas encore la culture du goût café, mais comme dans les autres pays, ça va venir. La culture du café, on est vraiment très bien sur l'espresso. Voilà, on aime un peu comme les Italiens. Après, sur la culture du volume du café avec du lait, c'est vrai qu'on n'ira jamais sur des 70, 75 ou 90 centilitres ou 1 litre, comme chez Starbucks ou ailleurs. Après, on commence à s'y habituer, c'est quand même quelque chose de bon. On est plus sur le goûter que sur le matin. Le matin, on ne prendra pas un café au lait d'1 litre, enfin ça c'est mon sentiment. Mais c'est vrai qu'au goûter, on est prêt à prendre des mochas, des caramels macchiato, des cappuccinos. Les pays qui ont clairement une avance au niveau du café,
On a déjà l'Italie, je pense qu'il faut quand même la citer en premier, même si la qualité du café stagne, voire régresse un petit peu, mais la qualité du café en Italie est bonne, voire très bonne à peu près partout. Après, il y a les pays qui ont beaucoup d'avance sur nous, les pays plus nordiques, en Angleterre, on a des très bons cafés en Irlande aussi, à Londres, c'est en train de devenir la capitale du café du monde. Et progressivement, en fait, on voit que ça descend vers le sud, donc la France. L'Espagne, ça commence un petit peu à bouger, surtout à Barcelone. Ouais, voilà où on en est aujourd'hui. Je dirais que la clientèle étrangère représente à peu près la moitié de la clientèle. La clientèle étrangère, c'est la plupart anglophones, mais après, si tu regardes la carte, ça, c'est des gens de vraiment de partout. Beaucoup de Scandinaviens, Américains, Australiens, des pays qui sont vraiment connus pour le café aussi. Alors, mon regard sur les franchises, il y a beaucoup de types de franchises. Donc on se concentre un petit peu sur Starbucks, parce que forcément c'est le plus connu. Starbucks a fait beaucoup de bien au café à l'époque, aux États-Unis. Il a beaucoup lancé une certaine mode du café. La qualité est plutôt allée en régressant. On a perdu un peu l'objectif initial qui était de faire découvrir des bons produits aux personnes. Donc là, je pense qu'on n'est pas allé dans le bon sens, même si ça a permis de démocratiser. Une anecdote, un moment culte, quand même, l'arrivée du torréfacteur, c'était quand même assez particulier, arriver à faire rentrer cette petite bête de 600 kilos. C'était pas facile. Donc forcément, la première torréfaction, bon, je m'en souviens. Mais des bons moments, ne serait-ce qu'avec les clients, des clients dont on ne pensait pas qu'ils pouvaient avoir un intérêt aussi fort pour le café et qui finalement développent. Peut-être que je retiendrai plutôt ces moments-là. Non, ouais, c'est vrai qu'un moment culte, en fait, il y en a plein. C'est toutes les rencontres qu'on a pu faire. C'est vrai qu'en 4 mois, on ne pensait pas rencontrer autant de gens, autant créer une clientèle d'habitués aussi rapidement finalement. Et donc, le moment culte, c'est vraiment un moment social.